Soyez bénis, je suis Andy Bougoul, chante de l'Éternel de l'église McVie Paris. Ça a été une campagne d'évangélisation pour que des frères qui n'ont jamais entendu parler de Christ viennent en Christ. C'est très important. On ne peut pas marcher comme ça vide, il faut forcément le Seigneur dans notre vie. Et notre mère, Maman Yvie Pémiens, a organisé cette campagne d'évangélisation où il y a eu plusieurs serviteurs qui sont passés pour intervenir. Chacun a eu sa prédication. Ce n'était pas pareil. Voilà. Mais on a vu plein de choses et ça nous a aussi fait du bien. Alors, on a vu des miracles, voilà, des délivrances, des témoignages qui ont été faits. Tout ce qu'on peut demander aux nouvelles âmes, c'est la persévérance. Avec le Seigneur, il faut persévérer. Parce qu'il y a d'autres qui viennent au Seigneur, tout de suite, ils veulent avoir quelque chose. Avec le Seigneur, il faut avoir la foi. Parce qu'il y a d'autres, quand ils arrivent, tout de suite, ils perçoivent leur miracle. Mais il y a d'autres, c'est au fur et à mesure du temps, parce que le Seigneur, il dépouille. Voilà, il fait ces choses en son temps. Donc, il faut avoir la foi et puis être dans la persévérance. Moi, c'est tout ce que je peux dire aux nouvelles âmes. Ce que je peux dire, c'est de savourer, hein, et puis savoir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, il est sorti, ça va faire bientôt. On rentre dans la deuxième année, dans pas longtemps. Donc, il faut l'écouter. Et je pense que les paroles feront du bien. Là, on est tenté de planifier ma mère, Maman Yvie Pégnès et son époux, Papa Jean-Claude Pégnier. On doit faire la dédicace. Cette année, oui, comme on n'a pas encore terminé l'année, on a déjà commencé la promotion. Ils sont passés dans plusieurs églises, voilà, pour faire connaître l'album. Donc, il y en a plein qui ont acheté, déjà d'autres ont déjà les sons au niveau de l'oreille et tout. Là, je pense que quand on fera, comme on appelle ça, la dédicace, bah, ça va encore focuser. Et dans le cadre du programme, il y a aussi un frère chant qui a organisé un concert par rapport aux orphelins d'Aloa. Voilà. Donc j'ai été invité aussi, je vais participer, ça se déroulera le 12, voilà, le samedi 12, et c'est à Montreuil. L'appel que j'ai à lancer aux frères et sœurs, c'est nous sommes dans les derniers temps. C'est vrai que on attend toujours que Jésus-Christ revienne bientôt, mais les gens prennent ça à la légère. Mais notre Dieu, il est à la porte. Donc, il faut véritablement se donner au Seigneur. C'est très important. Voilà. Et puis, je dis aussi aux frères qui n'ont pas encore le Massé Single, qui s'intéressent, qui viennent, le CD est là, et on invite plein d'hommes, voilà, au sein de McVie Paris, qui viennent pour voir la manifestation du Saint-Esprit.